Tata Lucrèce. Happy birthday to you. Cha cha cha. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Lucrèce chérie. Joyeux anniversaire. Wouhou! Yeah. Mais regarde la caméra. Bravo! Happy birthday, anymore. Happy birthday, sweet lady. Sweet lady. Thank you. Oh. Et on dit merci à qui? Merci, merci amour. Ah. On dit merci famille. Non, on ne dit pas merci à ma famille. À mon nom. Merci amour, j'ai dit merci amour. Non, mon nom à moi, que ton nom donne Dieu à mes noms. J'allais mal parler. Hein. Genre, balayer le vilain là, dis donc. Qui est parti prendre le gâteau pour amener ça ici? C'est pas mon nom. Merci. Dis merci à mon nom. On ne dit pas le nom. Merci. Dis merci à l'homme de ma nièce. Merci à l'homme de Dana. Dis donc, mon gars, pas prendre ton gâteau et t'amène ça ici. Tu veux remercier ton gars nigérian. Ça va pas, non? Merci à ton homme, Dana. Merci. Il faut pas dire merci le nom là. Non, non, ne donne pas le nom. Non, monsieur Champagne. On ne cite pas. Okay. On ne cite aucun contemporain ici. Okay. Et là que la propriétaire du gars vient me récupérer. Car bon, lancez les lives, on a des déclarations merci à faire. Merci au chéri d'amour de Dana. Alors, merci. Dis donc. Tonton Jeannot, félicite ton beau-fils, le gâteau. La concurrence. Il est au téléphone. Oh, ok. Oh, d'accord. Déjà, tu souffres avec moi. Hein. Malgré tout l'argent que tu investis sur moi, là, dès que tu m'énerves, je dis que. Et une fois, il m'appelait, non. Je suis au téléphone avec Hermelon comme ça. Je dis que. Mon Dieu, lui, il ne peut pas partir à les bosses avec Alibo. Elle me dit que. Mais Dana, tu es bipolaire. Hein. Christian, c'est plus ton grand frère. Je dis que, ah non, hein, c'est un Nigérian qui rentre au Nigeria. Tu vois, non, c'est quand j'ai déjà pris l'argent. Quand j'ai déjà fini de lui demander ce que je veux là, il m'a déjà envoyé ça, même lui l'appeler pour lui dire que merci, j'ai reçu. Je suis. Oh, thank you. Merci. Oh. C'est pour l'anniversaire. Oh. Wouh, c'est la première dame de qui? Non, tu es radieux ce soir. Thank you. Yo, pretty. Thank you, thank you. Yeah. Le 17 et le 18, ça c'est toi et moi. Hey! L'année prochaine. Feu. Oui, il est né le 18 mars, moi c'est le 19. Feu. Poisson, quel poisson? Poisson? Oh. Poisson, Aningo. Ça. Ma soeur Letiana veut me voir. Letty, comment tu vas, chérie? On est à l'anniversaire. C'est à toi. Dans le Upper East Side, tu m'as menti que tu devais venir à New York, tu n'es pas venu. Faut goûter, ma chérie. J'attends. Ah non, tu as goûté. Ah, c'est toi qui dois goûter, donc. L'anniversaireuse. Oh. Tu crées le mot, l'anniversaireuse. Pardon, Molière. Et alors, c'est moi qui avais demandé à la mère de Molière de le mettre au monde. Mon Dieu. Ah, autorisement, il y en a Molière. Non, moi, tu en as. L'anniversaireuse. L'anniversaireuse de ça. Elle crée des mots français là. Thank you. Ouais, c'est comme ça, vous allez voir maintenant, je vais commencer à vous clasher. Là, je mélange maintenant les alcools. Je finis d'abord mon verre de Porto. Qui a du Porto? C'est vin rouge. Oh, c'est le vin rouge. Tout vraiment. C'est un Bourgogne, c'est un Côte de Beaune. Oh, ok. Pinot noir. Oh, c'est le Pinot noir. Notre fameux. Notre fameux. Tu sais que le lendemain, je t'ai fait une infidélité. Je suis allée manger. Où? La fameuse pizza, 331. Ah! 331? Yes! Je t'ai pas abandonné, tu travailles. Qu'est-ce que j'allais faire? Donc tu es parti, tu es sorti sans moi. Bien sûr. Super. Mais on s'est appelé, non? Tu m'as dit que tu allais manger 331. Je ne savais pas. C'était. J'étais improvisée.
Oui, en toast. Tu as un verre de plus là-bas. Brahim, tu as un verre de plus là-bas, non? L'ancien? Voilà, voilà, c'est bien. C'est gentil. C'est pas quoi ça? Non, voilà ton type, Ivan Renjambe. Ivan, oh, ton frère boit maintenant les soupes. Je lui ai dit que s'il il ne va pas au régime. Thank you. Je ne vous dis. Les, oui. Les yeux dans les yeux dans Ancho. Non, moi, pour Nathan. Ok, ouais. Yara. Yara, bon anniversaire, ma chérie. Thank you. Mais il y a quoi? Merci. Toi, tu oui, tonton. À oh. Oh non, pardon. Je suis maintenant moi-même agacée de cette relation-là. Bon, très vrai. Hein? Ivan dit que je suis belle, ton type. Je suis belle pour toi, Ivan, mon chéri. Elle sait que. Moi, tu ne manges jamais ça. Ah bon? Ça, c'est celui de Techman. Raven. L'un des meilleurs. Mon ami, pâtissier. Ouais. Ouais. J'ai été celui-là, j'ai été le prendre. Ah, mais c'est un gâteau de luxe. Hein. Des gâteaux de luxe. Hein? C'est avec le vrai. C'est comme ça que tu fais ça. Ivan, viens manger exceptionnellement ce soir, chérie. Après, tu continues à boire les soupes. Je t'ai déjà dit que si tu ne maigris pas, je ne te gère pas. Oui, c'est ça, le vrai. Je ne suis pas là que. On ne sait pas là que on est en train de dormir, le lit c'est cassement que panglangang. Eh pardon. Des lives de luxe ah ben oui hein. En fait tu sais, tu sais pas où elle a mis le mot là. C'est en fait Bondolo. Non. Tu as vu où j'ai pris ça, non? Les lives qui coûtent cher. Les lives qui coûtent cher. Je suis en direct. C'est comment? Comment tu vois toujours? J'ai parti, c'est que... Mais vous voulez un café, un thé, une camomille. Il n'y a pas un truc pour me dessouler. Parce que là, honnêtement, hein, ça suit. Une fois que tu as regardé un, ça y est. Regardez-moi. Oh! Regarde, hein? Vas-y, prends des Ouais, c'est ça, hein? Oui, c'est ça! Live de luxe! Un live qui coûte cher! On fait un peu! Non! Après, Viens, tu n'as même pas osé en faire la jeunesse. Après 20 ans. T'as pas une comme ça? T'as vu, moi? De luxe, hein? Regarde! Oh! Quelle folie! Patrick! Et son aussi ne dort pas. Hein. Depuis Bitam. Il ne peut pas rater le buzz. Le buzz du moment. Mais comment ça se fait? Bien bien la vanille. Hein? Tu aimes la saveur, right? À côté, c'est l'un des meilleurs. Il est combien? Qui? Dans le States. Il connaît Raven. Il est du Sud, mais il est ici à New York. Tu connais? Parce que ta boss le connaît. Raven. C'est celui qui s'est fait ça. Eh, hey, Paye nous clash, hein, il dit que les Gabonais et le mousseux, mon bijou. Vraiment, hein, Paye pense qu'on est au tombage. Hein. La bouteille, bouteille c'est par derrière. Attends, hein. C'est où, c'est par là-bas. On va pas faire comme les Gabonais, on boit les bières. On a mis les là. Non, on est quand même dans le luxe. Non, on regarde pas les bouteilles, hein, quand même. On fait des choses. Quand j'étais partout au Gabon, après tant d'années, je partais dans les bars, je voyais toutes ces bouteilles. Mais pourquoi les gens ne retirent pas ça? Oh non, il faut laisser. J'ai dit, oh, pour montrer combien de casiers ils boivent. Non, pas, il veut seulement nous gazer.
Bah, il va dire que demain, ouais, caricature. Il a oublié qu'il a le livre Ougi encore. Hein. Enfin, le livre quoi? Le livre Ougi. Le livre Ougi. Non, le livre Ougi, il connaît. Le livre. Mais le Dolo Tchadi, Dolo Tchadi. Le Dolo Tchadi. Paé. C'est un malade, Paé. Il est quand ils ont tous les présidents, il est venu vous voir, il me dit dernier, est-ce qu'on t'a tout mal là-bas? Non, Patrick, oh my god. Il est spécial, je te jure. Oui, il est là. Il dit qu'on est en train de boire le vin mousseux, mon bijou. C'est un vin mousseux. Vin mousseux, c'est vin mousseux. Le mousseux du Mbrakata. Non, là, là. Ouais, ça, c'est calme comme ça. Hein. La table demain, quand elle va rentrer le boulot demain, là, le commentaire sera à. Non, demain, c'est demain qu'on casse la baraque. Kadi, comment tu vas, mon chéri? Ça va, Kadison? Monsieur Mapana. Le plus mignon. L'ami personnel de Serge Ibaka. Vous nous emmenez dans les bails. L'ami personnel de Serge Ibaka. Ah, c'est les stars du Brazzaville. Moi, maintenant, je me fais des rails. Tu as eu ton journal ici d'organiser? Avec l'aide d'une équipe. L'aide de qui? D'une équipe. Pardon, on n'est pas du Nigeria. Mon nom est moi. Yeah, it was great, thank you. Mon nom est moi, on n'est pas du Nigeria. Tu as vu, c'est en même temps. Tu veux trahir, il veut te trahir ce Messi là. Messi vient quand? Je veux qu'il se fracasse avec Nikes. Messi vient bientôt. Hein. Nikes fait le yoga. Il est mort sa fille, oui. Il vient voir sa fille. Et il vient. J'espère qu'il va me mettre en scène des jumeaux que j'avais avortés en 2015. Oh, c'est toi qui as dit. Non, toi. C'est... Nando, je t'ai déjà parlé. Tu ne veux pas écouter. Hein? Attends. Je vais me redéshabiller. Maintenant, c'est facile. C'est de manière volontaire. Un parce que je te mets comme vous scandalise sur les réseaux. Un café. Thank you. Oui. C'est pour toi. C'est pour toi. J'ai toujours. On doit faire. Non, moi je bois mon champagne. Tu veux me l'en donner. Tu veux me l'en donner au blanc là, le champagne cadeau. C'est ton typo, il pète un câble. Le monsieur lui fait un signe que non, je. Il dit non, c'est pour toi. Il veut j'ai offert le fond de la bouteille de champagne. Pardon. Je suis dans les bas quartiers. Donne-moi le champagne. Je vais pour revenir ici là, c'est peut-être en 2010. L'homme 2100, tu sais. Quoi c'est? C'est l'anniversaire, je bois quoi? Vous ne m'empêchez de boire. Seigneur Jésus, c'est un plan. Oh, laissez-moi boire. Si je vous insulte, je vous insulte. C'est dans le compte des alcools. Non. Vous ne m'empêchez de boire. Je bois, pardon. Quand Nana commence à boire le champagne, oh, tout le monde est en train de rire. Mais il est inconscient. Comme il pense qu'il a l'opportunité de s'offrir des champagnes comme ça, il dit maintenant au gars là qu'on l'offre le champagne. Mon frère, je vais boire le fond de la bouteille de champagne. Nana, pian. Pardon. Buzz de quoi? Le raffinage a payé quoi? Il n'y a rien. On va boire le racolage. C'est ça qui paye. Donner le champagne du dos. Tu veux un thé, une camomille? Non, ça va? Tu es dans un live de luxe. Christian, tiens, faut saluer. Là, vous allez me rappeler. Hein. Et donc, les lives de luxe. Les lives judiciaires. Il y a maintenant des lives de luxe. Excusez-moi, on est avec le tété là. On est avec le tété. Ah ouais. Dans les lives qui coûtent cher. Ça va, non? Ouais, ça va, oh, pardon. On t'a bien reçu, non? Non, c'est bon. Ah. Malgré que vous nous avez foutu la merde, vous les Nigérians là. On est africains. Non, je ne tolère pas l'indiscipline. Ils vont sur le terrain, des mouilleurs comme ça là, ils deviennent des serpents comme les bois du Gabon. N'importe quoi.
on vous pousse à la mer, vous allez vous retrouver au nord de, la, de l'Afrique là-bas. Après, dans tous les pays du Maghreb, là, on va vous trouver un coin là-bas. En plein Oreti. Vous allez immigrer là-bas. J'emporte la bouteille là-bas. Je ne suis pas dedans. Oh, il est trop beau, mon frère de Mwanda là. Il est joli, il est beau. Non, j'aime bien ses manières. Mais tu sais, tu as raté. Si tu vois le gars qui me maquille là, le mec, tu vas aimer ses manières. Il est comme Chen Li, c'est ça. Il faut. Ah oui, hein? Hey, girl! Il parle là, mais. Hey, ya! Yeah. Ah, quand il commence à faire ça, c'est un truc que non. Je, like, le truc monte, c'est moi qui dis. Il est magnifique. J'aime ses manières. Toi, tu passes ton temps à me clasher. Donc, venir au monde. Tu avais fait avec Vera. L'essence est bon. Je ne veux plus, je ne peux plus boire. Je ne peux plus. Non. Non, laisse eux. Non, après ça, je prends eux. Laissez-moi mes verres. Après ça, je ne bois plus. Parce que je dois être en forme pour demain. Je vous dis que j'ai bu une. Souvent, je bois jusqu'à j'ai les pieds noirs, je ne me souviens plus. Oui. Coucou Marc, comment tu vas, chérie? Ça va? Bon, non. Monsieur Champagne, hein? C'est bon. Appuie maintenant. C'est bon pour aujourd'hui parce que demain, tu sais qu'on a le. La fête continue. C'est bon. Je ne peux plus. Donc, c'est un peu. C'est bon, j'ai bu. Hein, tu m'as convaincu que. Madiasi. Il y avait l'émotion, donc on était vraiment dans le chemin. Il n'y avait pas le recul. Maintenant, en fait, je pense que le fait que ce soit rien passé par rapport à Pim, ça a bien refroidi beaucoup de personnes. Mon Dieu, on ne peut pas nous mettre un peu la musique de Last Ville là. On devait mettre Mikwanya là. Tu as vu comme les blancs? Un petit expression. Attendez, je tag mon gigolo. J'aime quand il est connecté. Je veux le voir en ligne. Le plan B là. Ah bon? C'est quoi? Monsieur me regarde, Nando. C'est mon amour. Tu posais la question sur un poste des abonnés. Tu étais tous tes parents, même tous tes parents à lui. Mais si le reconnaît, tu es à comme moi. Ils sont tous à ta gueule. Mais oui. Allez, surtout pas dire, surtout pas poser une question qui poussait les gens à réfléchir en disant bon, ok, il y a un pipi. Mais puis, quand même, si tu gagnes à l'époque, fatigué, oh. Mais il le c'est ça. Quand tu questionnais, c'est vrai. Que... Ça. Mais c'était honnêtement, c'était horrible comment j'ai changé. David demande que qui parle du plan B ici. Je veux la musique de Mikwanya. Les sauvages, il faut jamais les amener en ville. C'est elle qui a les beaux bébés là. Non, la gueule. Elle c'est sa fille. Elle est ma fille. Elle parle avec eux. Tu te rappelles le live là quand j'étais revenue après 6 mois là, non? Ma perruque était genre là et comme ça, comme Naomi Campbell avec la frange là. C'est elle qui m'a posé. Elle est magnifique, c'est-à-dire elle s'exprime. Il y a une femme quand on l'a maquillée chez Mac là. Elle vient quand elle demande à Lucas que c'est ici qu'on t'a posé la perruque. Emma, oh non, pardon. Madame, champagne. Merci, ex. Ah bon?
avec lui. On veut Mikwanya. Oui, bout de champagne. Oui, donne-moi le champagne, pardon. Je t'ai dit que ça là, tu ne peux jamais donner ça à ces blancs là. Les esclavagistes, ils veulent déjà nous chasser de leur pays. On boit leur champagne, napkin. Toi, tu es vraiment le Gyonga. Et Gyonga Zalou. Et toi-même, tu sais. Non, prends le truc comme ça. Et Gyonga Zalou. Et Gyonga Zalou. Tu m'as trouvé avec mon godet, bébé. Même si tu m'emmènes au Upper Side, je vais tuer les boissons ici. Chuba, chuba. Il faut le laisser là, il y a un gaz à l'eau. Oui, oh. Et en même temps aussi, il ne faut pas qu'il garde notre gâteau en cuisine. Hein. Ah, bien on récupère notre aussi. Gâteau. Mais ça, c'est déjà programmé. Non, ce n'est pas programmé, je veux make sure. Tu veux maintenant laisser dans le grand restaurant, on va payer les bas 600-700 $, ils vont garder notre gâteau, jamais. Quitte à ce qu'on jette à la cour, on va jeter la pierre. On récupère le gâteau. Comment la folie, là. Les gens sont en train de rire, c'est moi ici là. Voilà. Asusu, asusu. Asusu, asusu. La danger est contre Yabo. On l'avait bien bastonné dans le couille. Couscous. Fromage. C'est bon? Vous postez ça dans vos lives là, vous-même là. Oh, ils sont très sympas tes collègues. Ça veut dire que tu travailles bien ici. For so much given, you have to give a lot. Oh, ma marmite s'est réveillée. Dans les marmites. Ma marmite. C'est long, right? Merci, mesdames. Il a fait ça avec tout l'amour de New York. J'avais les bons contacts, je faisais les bonnes questions. Voilà, mon homme, c'est un homme d'affaires. C'est ça. Là, on disait pour le 17 août, qu'est-ce qu'on fait là? J'avais un plan d'Anna. On a un plan. On a un plan dans un pour maquis, le 17 août, dans là. Un maquis camerounais. C'est-à-dire qu'on a loué un jet, on va au Gabon, c'est tout. Oh. Christian, ça serait bien. C'est pas aussi mauvais. Tu te rappelles où tu es parti là, machin, tu voulais m'emmener, mais je suis pas parti. On offre à Olana. Demande-leur un peu comment ils ont fait pour faire la fête dans le jet, dans le yacht. Très souvent, chérie, dans le yacht aussi, c'est pas mal. Hein. Ah, il faut dire maintenant parce que tu sais. Nous, et là, puis le dress code, c'est le white. Oui, white party. Ça peut être sympa. On est en train de voir, on est en train de réfléchir. Okay. Enfin, c'est parce que c'est un peu les long. Problèmes des yachts, là, comme j'ai vu une vidéo. De... Oh, ok. Mais on veut le yacht. On peut faire ça dans un bateau. Le yacht, mais ici, là, est-ce que vous avez. C'est ça, bien, c'est bien. On peut demander. On peut demander à la secrétaire Julie, elle connaît tout. On peut regarder. Parce que tu sais, on est déjà quoi? On est déjà le 15. Donc, ce qui fait un mois. Yacho, yacho, c'est la donc, même si chose. Si on veut faire ça. Hey, pardon, ces gens tranquilles là. N'importe quoi. Non, elle veut une femme. Non. Non, le champagne. Non, it's good for today, pardon. C'est le plan. Non, pardon, je veux que le champagne, c'est bon. C'est ça, je dis non. Tu as besoin de quelque chose, je dis non. Non, pardon. Maintenant, si, c'est, si tu veux mettre le discount dans ma dot, mon frère, tu vas payer ma dot au complet. Champagne ou pas champagne, les gens vont aller pisser ça. Ton gâteau aussi, les gens vont cabiner ça, donc ne profite pas. Oh. Mon téléphone est où? Sacha, oui, il est bien aussi. Je vais demander qu'il ramène ça. Je ne sais pas partir. Je vais faire un transfert. Moi, je vous laisse, moi, puis on fait un truc comme ça à l'Eb ou à Port-Gentil, LBV. Mais il paraît qu'il y a un grand restaurant, non, Mayena. Ah, pardon, il faut le faire ça. Toi qui étais là-bas, tu es allé à Mayena. Ça peut avoir. Il y a la place pour tout. On fait un truc comme ça à Libreville ou à Port-Gentil. Ou... Les Gabonais ne vont pas venir. Ils ne sont pas sociables. Ils vont préférer aller chez d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Mais on vient d'ailleurs. Ça sera le buzz, non? C'est vrai, tu parles là-bas, tu es américain. Oh, chez Nino. C'est tout, chez Nino. You're welcome. C'est choquant.
Les Gabonais sont en train de me coacher ici, ils disent que vraiment, hein. Donc tu es maintenant là en train de calculer les emportés. De quoi c'est les emportés? Puis c'est juste en train de chier avec lui que hey, notre gâteau ne reste pas, c'est trop bon. Oh, ils t'ont entendu? Juste en direct. Oh, et tu parles des choses comme ça? Et alors? Non, parce que c'est sauvage. Ah, oh. Que qui parmi les gens là ne font pas les emporter? Laisse-moi ça, pardon, je suis pas dans la vie des apparences. J'emporte ma nourriture, n'a rien. Il n'y a pas de problème. Oui, parce celui qui ne veut pas, c'est son problème. Merci, c'est gentil. Vous nous avez bien reçu, vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci. Oh. Il y avait le sac Goldorak. Voilà, c'est ça, je commence à matin, c'est 6h15, je fais des nouveaux. Et je vois le sac de Goldorak. Quel sourire. Il s'arrête. Mais j'ai mon sac de Goldorak. Oh my god. J'ai ça. Ah ouais. Quand il a vu ça, si tu n'as pas grandi dans cette époque, quand tu connais pas. Mon Dieu, Goldorak. À ta ruse fort de Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Elle est perdue. Quand l'armée de Vega attaque. Non, c'est point. Regarde, le Nigérien ne connaît pas les paroles. Parce qu'il est mitigé. Entre les dessins, il met du Nigérien et du Gabon. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Donc, connais. Non, mais non, moi, je ne connais pas Goldorak. Mais on voit. On t'a blasé, là. Et alors, Candy? De tout. Ah, non. Donc, vraiment, à l'époque, aussi, il n'y avait pas les trucs de... Oh. Tu vois un garçon, on est là, madame. Au pays, non, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Donc, dans le pays, tu vois, dans sa maison, il y a des gentils. Difficile. Avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espèglerie. C'est la vie de Candy. Les vieux, dans la jalie pour tous les soirs en s'endormant, que le petit prince de Candy vient lui parler doucement. Vous chassez sa tristesse. Vous voulez voir mes amis? Ils veulent vous voir. Toujours jalie, c'est Candy. Candy. On veut te voir aussi. Ouais, aussi Non, mais pour te dire, nous. Ah, bon, là aussi, même les filles connaissaient. Dom. Yeah. C'est l'Amérique. C'est quand même juste. Oh, il y a un peu. Ma femme est là. GBABON, Gabon. Il y a assez. Je me souviens que quand Terence est né, quand Mathieu Pessica a vu Terence, je l'ai toujours. Oh, Terence, mon Terry, le fils de Yacristan. Terence, ma grand-mère le gardait. Je l'ai toujours. Oh, toi, mon Dieu, mon Terence à moi. Il disait, non, oui, c'est tu, mon Terence à moi. Il y avait Albatros. Non, les chaperons. Oh, j'aimais beaucoup Albatros. Nanana. C'est qui était en rouge, là. Moi, je me rappelle pas de cette chanson-là. Eh, pardon, tu parles de pauvre restaurant de quoi? On est avec quelqu'un de la compagnie qui est manager ici. Oui, donc, tu veux mal nous parler de quoi? Il y avait aussi Albatros. Ouais, il y avait Albatros. Nous, on a connu Sophie et Virginie. Attention, ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Non, ça ne peut pas être ça. Oh, Mouba. Quand tu l'as tué. Oh non, ça c'est le son. Mouba, t'es perdu, hein, Mouba. Et Laura, qu'est-ce qu'elle est devenue? Salut, vous bouffez tout ça. C'est pas vrai. Laura, c'est pas de ma génération, pardon. Mais Tom Sawyer, la peau de Tom Sawyer, beaucoup d'enfants qui sont devenus handicapés au Gabon. Non, Tom Sawyer même était mieux. C'est l'ami de Tom Sawyer qui était le plus maudit. C'est Chuck, right? Il traversait Chuck n'allait jamais à l'école.
Oh, t'es en train de filmer, là? Lucrèce, quelqu'un te salue ici. Tu le connais, Hugues. Il dit, Dana passe mes salutations. Hi. Ma grande Lucrèce. Les blagues, l'aurore, les mystères, non. On tient beaucoup plus sur la nature. Non, non. Pour toi, c'est pour toi. Waouh. Ok. Ça, c'est du 5 millions en cru. Ça, le prix. Ça, ce qu'on fait, c'est super. $600 la bouteille. Hein? Ça, le 5 millions là. Mon frère, donne d'abord, je bois 600 quoi? $600 la bouteille. Pardon, je bois d'abord, je goûte, non? Aïe. Oh pardon, toi tu es de la maison là. C'est 7 millions. $600 la bouteille. Celui qui est 600 la bouteille. Pardon, donne à vous, je vois cher. C'est un français. Il avait fait quoi? Il a marché avec les amis de Jésus. Et donc, 7 oh. millions. Ça, c'est un vrai jeune qui était à Jérusalem qui moussait. Ça, c'est la rive gauche. Dis donc, donne ça ici. Et après, je dis. Maman, cause 5 millions, $600 la bouteille. Je dame ça jusqu'à le feu sort. Ouais, les Bourgognes, ouais. Tu as la tâche, tout ça. Donc, $600 la bouteille là, que c'est quoi? Un vin de Jérusalem, et bio du jardin d'Eden. Ça a été pris quoi? Au raisin, à la vigne du jardin, au pied du jardin d'Eden. Non, laisse-moi parler, on doit raconter les bêtises là. Non. Non, les raisins, ils ont été cueillis à temps. Le soleil a bien frappé, le vent, tout ça, les roches. Ce qui fait que ça devient une grande cuvée parce qu'il a bien maturité. Maturité, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est une cuvée exceptionnelle. C'est un grand nom. $600, Yonga. Que doit. Je dis de goûter, tu as fini ça. Que doit. Moi, la fille de Joseph, enlevez-moi, hein. C'est que c'est surtout de sucre là. Les personnes peu fiables et peu fréquentables. Non, le reste là, on va aller en train d'enlever. Parce qu'il nous maudit. La vie de Josia, vraiment. Ça, c'est le chaud du Gabonais. On t'amène là-haut, quelque part. Je suis chaud. Et pour, tu sais que je faisais ça, non? Je sais que le gars veut, genre, que non, qu'on finit de manger. On rentre donc, j'entends bien ce qu'il me dit. Mais je dame. Quand je suis déjà presque vers la fin du plat, au milieu, genre, et demi là. Maintenant, je crie, maintenant que. Hein? Tu dis qu'on faisait quoi? Donc, toi et moi, on va rentrer à côté d'un plat. Le monsieur, maintenant, gênant, restons que. Non, tu sais que les Gabonais, c'est pas de ça dont je parlais. Je sais que qu'est-ce qu'on fait après, on peut aller ailleurs. Non, moi, je suis pas ce genre de personne. Moi, je suis responsable. Qu'est-ce que tu crois? J'ai envoyé un truc en soupe parce que j'avais plein de filles. Ils ont fait.
Qu'au 600 dollars. 5 qui Étienne. 5 qui Étienne, non. Qui l'a marché avec qui? Pierre ou bien Paul? Une ami. Saint-Émilion. Il est dans les Épîtres. Dans le, il est dans le Nouveau Testament ou bien l'Ancien Testament? C'est 2005. Hein? Oui. Alors, c'est en Saint-Émilion, 2005. Il est porté. Clos Forte 2005. Oui, je vois. 600 dollars. C'est pas possible. Les bouteilles qui vont plus que ça. Sans transpirer comme ça. Mais on va presque dans la même chose. Regarde, on parlait de Bourgogne, Abel. Tu as vu, en rouge, on a la coche du rêve 2013, 2800 dollars. Hein? C'est quoi? Bourgogne, vin rouge, la bouteille. 2800 dollars, hein? La bouteille. Voilà. Ça ne reprend pas. Dans un 5 étoiles. Christian, tu entends ça? Voilà. 2800 dollars. La croche de quoi? De Bourgogne. C'est quoi? Le vin a été recueilli où? Au pied de la croix du Christ. Super bon. Hein? Et les Bourgognes, c'est les vins les plus chers en ce moment. Ah bon, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu bois ça, bah, je sais pas, ça te donne un truc, tu ressens un truc. Tu ne te saoules pas, tu pisses le diamant. Tu as des foutaises, des... Pour 2800 dollars la bouteille. Franchement, honnêtement... Je dis qu'un gars, hein, mais vite au restaurant, il paye sans se bas. Lui et moi, on va lutter. King, king. Mais Dana, je dis que non, 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 mon frère, laisse ça. J'ai beaucoup souffrance. J'ai des factures à payer. Hein? Pour 2800 dollars, que je vais boire ça. Jusqu'à ce que je vais aller pisser ça. Il n'y a que les Saoudiens qui achètent ça. Les Saoudiens, non. Les, oui, les princes. Bien sûr. Les princes arabes, c'est eux qui tombent dans l'arnaque. Les princes du pays du Golfe. Mais c'est vrai, Marc. Franchement, ça n'a aucun sens. Une bouteille à presque 3000 dollars. Et alors? Un vin. Et je m'en vais pisser ça. Je pisse quoi? Des pierres de diamant? Non, toi aussi. Je de quoi? Les gens ont trop souffrance. 2800 dollars, ça me fait un shopping à mon niveau. Juste un sac. Voilà, un sac. Comment juste un sac? Ma chérie, il y a les soldes actuellement. C'est vrai. Tu parles de quoi? C'est vrai. Quand tu sais d'où tu viens, tu as les réflexes. Oh. Un gars ne peut pas sortir 2800 dollars. Je vais lutter avec lui. Je vais la... Non, 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 non. On aille faire les courses pour les habits pour porter. Moi, j'ai déjà vu. Honnêtement, juste pour te mettre plein la vue. Mmh. Ça, c'est pour buter, quoi. Ça, là, chérie, tu sais que c'est du faux, parce qu'il va pas aller plus loin. Ma chérie, j'ai le standard, mais pas un vin. Ah non, ça, je refuse. Donc, je vais laisser un sac ou une chaussure pour un vin. Je vais aller pisser ça. On va d'abord faire le shopping. On va d'abord faire le shopping dans le 8e et tout. Après, on va venir au restaurant. On va au Georges 5. On va se donner à mille en l'air. Mon oncle, pardon. Oh, c'est ton nom? Oui, oh. Directement par quand tu viens ici, tu vas le convoquer. Oui, oh, c'est mon nom. Il donne ça comme ça, là. Non, 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 il le fait là. Il le fait là. Tu vas le faire là ou là. Ah non, je pose le téléphone, Namé Lolo. On reste connecté. On va lui donner le. Toi, tu as un cabinet. Les détracteurs, les ma marmite. Ma marmite, tu n'écris plus. Tu as perdu l'usage de tes doigts. Hein? Jaloux. Oh, vous me mettez dans le Uber. Hein? Ayez des attitudes responsables. Vous allez déplacer, vous me faites aussi partie. Je te jure, le genre de vin, on le boit parce qu'on sent ça, c'est bon. 3 000 dollars. Non, le vin, là, tu peux pas boire ça. Même mes aïeux petits qui sont venus, tu veux la bouteille de vin à poser au salon.
Qu'est-ce qu'on fait? Mangana, mangana. Mandana, mandana. Il y a un after ou bien? Flash. Il me filme. Il me filme. David, tu es où? Que la bouche derrière Internet. Hein? Hey, mon frère, tu as donné le pouvoir de combien? $54. Hey, Igwe! Igwe, Odi Yalaye! Odi Yalaye! Igwe! Igwe, Igwe, Igwe! La facture de $600 là, tu mets $54 de pouvoir. Igwe qui te peut! Igwe qui te peut! Igwe qui te peut! Tu es le seul! Oui, l'argent de la GEP en train de parler. Les claquements de ça. Bah, mon frère, facture de $600 là, tu mets $54 de pourboire. Moi, je suis là. Hein. Mon frère, en même temps, moi, je suis mieux de sortir même la semaine prochaine. Ou bien? Et je ne m'a pas dit comment tu ressembles à aller comme ça là. Je ne vais aller me reposer avec personne. Va là-bas. Mon frère, moi-même j'étais là, tu pouvais me balancer le pourboire là en même temps. Hein? Ça fait presque $700, ça c'est le budget d'une compote, ça fait un loyer. Hein? Quelle union? Mais d'un de toi, tu es fort. Oui, c'est mignon, j'aime. En tout cas, si c'est moi, pardon, on est au vient plus ici. Le restaurant est cher. Danger. Le restaurant est bien, c'est classique. C'est du paiement, c'est cher. Vaut mieux, on part chez nous à Alem. Celle-là, ça, c'est le haut standing. L'homme est assis, la femme est debout. Ça rend fou. Moi, j'étais choquée parce qu'en 2016, quand je suis venue, je trouvais que les gens étaient très grands. Il y a une jeune, tu dis quoi? Que je ressemble à qui? Je ressemble à Ali. Mais c'est normal, c'est mon frère. Non? Je ne bois plus. Le boss est jeune et Koga. Mon grand frère, à l'époque, quand Mao refusait de me faire entrer au coton, ce jeune, tu sais que Mao m'a fatigué, Danger. Le portier de. L'autre, les, non, c'est pas Mao qui est mort, c'est l'autre qui est mort. Comment je peux oublier son prénom? Non, les deux là m'ont fatigué pour me boucher l'entrée du coton. Donc, j'étais maintenant là, je restais entre les voitures. J'étais petite, oui. J'avais l'argent comme ça, la main comme ça, il dit que tu ne rentres pas. C'était Séraphin, right? Il y avait Mao et Séraphin. Puisque Mao après était parti. C'est jeune qui me faisait rentrer en boîte. Oh my God. J'étais bandite. Pourquoi? C'est vrai. Ça, c'est pour vous. Je reviens, je suis là. Ça, vous avez tout à l'heure. C'est mon cadeau. Quand te donne comme cadeau 4 stars, la bonne va dépenser. Oh, dis donc, ils peuvent même pas me dire qu'ils me donnent un bon ici. On bouge pas, je vais aux toilettes. Hein, mais qu'est-ce qu'on fait après? Moi, on était censé aller au rooftop, maintenant toi tu gâtes les programmes des gens. On a mis au rooftop aujourd'hui. On les demande à nos jours. Ils ont le même restaurant à Londres. Hein. Si tu vas à Londres, à Covent Garden. On a le même restaurant à Londres. Maintenant, même si le restaurant à Londres, on fait quoi? Ah, pardon. S'il n'y a pas d'after party, on ne peut pas dormir.
ça pour la vie. Oui, on s'est connus à prison. Elle est venue à la faire parce qu'elle vient travailler à New York. Mama Amit, tu n'écris pas. Il faut écrire Mama Amit. Quand ta mère te dit que sors des cuisines, ne sois pas dans les marmites. Tu es dans les marmites. Moi, j'ai décidé, oh, dès que je finis la semaine là, semaine prochaine, le diet commence. Non, ils ont déjà payé. Danger, il a les moyens de sa politique. C'est le seul que je choisis actuellement en Amérique du Nord. Ici au State, c'est le seul. Pardon. Le reste là, je cogite. Oh. Il nous donne des cartes postales pour quoi? C'est qui va revenir ici? En tout cas, si mon gars ne m'a même pas ici, je ne reviens pas. Dis donc, je vais même abandonner les cartes là sur la table. En Londres, pour aller boire quoi? Le vin de 3 000 euros. 3 000 livres sterling. Finami. Non, ils ont des. Christian a déjà payé la facture. Moi, je suis un Sama. Eh oui. On dit quoi? Les fanas, collectez-vous, les fanas. Berus Sama, dieu de la destruction. Eh oui. En direct du Upper Side. Specially tonight. Oui, hein. Tonton Jeannot, on dit quoi? Oh oui, demain, tu vois les plateaux en aluminium là, non? Après tout ça. Mais va donc, quand tu sors du boulot, achète déjà. Achète même 5. Achète même 5. Les grands? Parce que ton soya arrive, on a le ndolet, on a. Je voulais qu'elle vienne parce qu'elle a 10 ans, parce qu'elle commence à. Voilà, en train de. Merci beaucoup, Nina Fouya. C'est gentil. On voit celle-ci. Et oui, le reste du gâteau dans un sachet emporté. Elle s'amuse pas. Ici, 600 dollars, ils vont garder notre gâteau pour quoi? On n'est pas la famille de Bill Gates. Voilà le gâteau pour 600 dollars. On n'est pas la famille de Bill Gates. Oh, le gâteau. On a souffrance pour ce gâteau. Et ils pensent qu'on est les riches de Manhattan hein, qui viennent ici, qui leur laissent les gâteaux. Les champagnes, juste une pièce de photo. On a qu'à donner le champagne. J'ai quelqu'un champagne. J'ai mis ça jusqu'à bien. Moi, je vérifie s'il y a l'ambiance en bas des blocs. Moi, je vérifie, maman. Je vérifie, papa. Moi, je vérifie si l'ambiance est vraiment joyeuse. Hé hey! L'Amérique, non? Ça éduque. Moi aussi, j'ai appris à être patient. Et c'est ce que j'ai aimé aujourd'hui avec elle. Hein. Je te jure qu'aujourd'hui, si je n'étais pas avec elle, j'allais. Elle n'est pas défaitiste. J'allais très triste. Parce que quand on est allé, la coiffeuse avec qui on a pris rendez-vous hier n'était pas. Le salon était carrément fermé. Mais elle n'a pas paniqué. Et puis elle n'a même pas, like, son visage n'était pas bizarre. Genre comme si elle était embarrassée pour dire non, tu n'es pas quelqu'un de sérieuse. Ou bien, elle était zen. J'ai dit, bon, écoute, on va chercher ailleurs et tout machin. Quand on est parti, et puis les gens commençaient à compliquer. Elle-même, elle est sortie, elle est partie regarder chez la dame avec qui on a rendez-vous. Elle a trouvé le salon était ouvert et c'est comme ça qu'on m'a appelé. Elle me dit, non, elle vient à peine d'ouvrir. Elle est très zen. Et c'est ça que je dois apprendre, en fait, le self-control. C'est le boulot qui m'a appris ça. Parce qu'on est devant les situations. C'est ça un peu le conduit, c'est le bon travail.
pendant le training, nous a appris ça. Et c'est du genre, ça se passe là, ça s'arrête là. La vie continue. Tu n'emmènes pas ça là où tu pars. C'est-à-dire, tu as déjà, tu t'es occupé de ça. On a fait sortir le passager. L'embarquement continue. Comme si de rien n'était. On se revient, tu t'occupes des autres passagers et tout ça. Mais on avait arrêté l'embarquement. J'étais là, le gars a convulsé devant moi comme ça. Là. Donc, tu l'attrapes, tu le mets par terre. Machin, tu attends que ça s'arrête. Un peu comme Jean est pris depuis là. C'est quand il avait la balle qui sortait. Tu ne peux rien faire, ils sont en train de convulser, tu attends seulement que ça termine. Et après les gens, ils arrivent avec la fusée. Voilà, on l'a fait sortir. Et puis l'embarquement continue, c'est un business. Bah ouais. Tu remets ton sourire comme si de rien n'était. Ça on m'a appris ça au boulot. Mais c'est pas la même chose que la patience. Ça par contre... C'est la maîtrise en soi. Voilà, c'est la maîtrise en soi. Mais la patience, les Américains nous ont appris qu'on n'a pas de patience. Donc il y a une queue qui est là, quand la queue devient trop longue, on appelle une autre caissière déjà pour nous faire appeler là. Chez les Français, la queue peut être longue comme quoi. C'est là. Elle est à 35 heures, c'est 35 heures. Non, mais c'est ça, voilà. Ici, c'est pourquoi je me dis que si je repars au Gabon, j'aurai beaucoup de problèmes. Parce que ici, tu connais tes droits. Si quelqu'un, c'est-à-dire ton heure, c'est ton heure. Si les gens ne respectent pas l'heure, tu as le droit de t'exprimer. Et le personnel se couche, tu vois. Ils se mettent comme des enfants. Une fois là, je devais aller à Nice chez eux. Et le bus n'était pas là à l'heure. Faut voir comment le general manager était là. Il a accepté, on criait sur lui, machin. En Afrique, on va se mettre. Ah, fous le camp! Le bus n'était pas là, tu vois, que je passe. Dégage! Mais Loulou, je vous souhaite une bonne nuit. Mais dormir. J'espère que vous avez passé une très très bonne nuit. C'est mardi, donc voilà. On a passé une soirée exceptionnelle. C'était l'anniversaire de Lucrèce, voilà. Donc, Danger organisé, tout ça. Donc, on est venu. Bon, il nous a invités, on a essayé de donner nos petites mains et tout. Donc, c'était vraiment génial, spécial. Donc, je suis en train de remercier les gens. Je leur dis que tu as organisé l'anniversaire, que c'était très bien. Comme tu n'étais pas là, on était obligé de te donner les derniers petits coups de main. Mon homme et moi, tu nous as beaucoup utilisé, mais bon. Je sais que tu vas dédommager le temps consacré. Vraiment, merci. Tu es un responsable. Tu es un cani. Chez nous, dans le Haut-Togo, on dit chef, c'est le cani. Donc, ciao. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse. Donc soyez zen, voilà. On est en train d'enjoy le summer à New York, à Sydney, spécialement dans le Upper East Side. C'est génial. Donc voilà. Donc c'était l'anniversaire de Tata Lucrèce en direct de Pyongyang. Merci beaucoup Nina. Ah nous on fait un effort. Hein. On vous a dit qu'il faut faire les vrais make-up et puis il faut, faut porter les naturels. Ça fait sortir la beauté. Tu mets les vraies mèches à la tête. Ta beauté s'exprime. Et tout. On est token, c'est l'argent qui parle. Tu as l'argent là. Tu fais ton nyanga jusqu'à. L'île qui m'a dit avec Velox, money is power, respect. Que l'argent amène la puissance et le respect. C'est tout. Tu as l'argent, tu pars, tu fais ton vrai nyonga. Vrai make-up de ça. C'est ça dont il est question. Donc, mes chéries, soyez coquettes, soyez belles, soyez vous. C'est tout.
on est là, on va continuer certainement, mais bon. Je vais aller me coucher, je vais pas trop rester tard dehors. Demain, là, j'ai la responsabilité d'organiser le repas. Toujours dans le cadre de l'anniversaire. Il y a quelqu'un qui m'a demandé les boucles, là. Je te jure, hein. Les boucles de ça. Je ne peux pas. J'ai seulement vu, hein. Après, la Hermelon me dit que hey, tu es une acheteuse compulsive. Je dis que pardon, ma chérie. Laisse, j'achète, je garde. Voilà aujourd'hui les boucles là maintenant qui servent. J'ai match ça en soirée là. C'est pas mieux que de ne pas avoir. Allez, ciao. Je vous aime. Merci d'avoir été là.